Bonsoir, on se retrouve donc sur les mondes d'après pour parler une nouvelle fois de l'ouvrage Collapsus, qui est un ouvrage très important qui fait un peu l'état du monde en ce moment. Il y a plus de 40 auteurs qui ont accepté de participer. On va donc laisser la parole à Laurent juste après cette bande-annonce. Ah, c'est moi Laurent. Bon, aujourd'hui on reçoit Laurent Testot et moi, on reçoit Vincent Mignereau et Julien Vidal pour leur participation donc à l'ouvrage. Laurent, si tu veux faire la... Oui, alors je vais les présenter très rapidement. Donc, Vincent est essayiste, fondateur de l'association Adrastia, notamment. Il travaille comme chercheur indépendant sur une théorie générale, sur une théorie écologique de l'esprit. Et en gros, il s'agit de cerner ce qui rend l'être humain si particulier d'un point de vue écologique, mais il en parlera plus largement. Et ce qu'il entraîne dans certaines réflexions sur notre finitude, c'est pourquoi on lui a demandé de contribuer à Collapsus. Julien incarne une thèse que, de prime abord, on pourrait croire inverse. Au lieu de réfléchir au devenir humain et se concentrer sur notre dimension, sur nos dimensions particulières, il essaye plutôt d'agir à travers un site qui s'appelle « Ça commence par moi ». Dont il est le créateur et l'animateur, et qui donne des, je ne vais pas dire des recettes, ce serait méprisant, mais plutôt des attitudes à adopter, des comportements que l'on peut avoir face à ce qu'on ressent aujourd'hui comme une menace. Donc les deux ont une approche qui semble radicalement différente de l'effondrement, au point qu'on pourrait les faire s'affronter dans des débats stériles, mais Laurent, qui a imaginé de les réunir, avait une autre idée. Donc, je vais lui laisser la parole. Oui. C'est moi qui ai ramené Julien et Vincent dans cette aventure du livre, parce que leur démarche m'avait profondément intéressé, même si, effectivement, elles pouvaient paraître opposées. L'une tournée vers l'intérieur, l'autre tournée vers l'extérieur. En fait, c'était une démarche proactive et bien souvent, ce que j'ai remarqué, d'une part, c'est que des tas de gens disent « il ne faut pas parler d'effondrement parce que ça fait peur, parce que ça démobilise, parce que les gens sont pétrifiés de terreur et finalement ils ne font rien ». Or, j'ai au moins deux exemples avec nos invités que, bah non, ils ont regardé les choses en face et ils ne sont pas restés pétrifiés, ils sont mis en action, ils ont décidé de dépasser ce qu'ils voyaient et de grandir et d'agir. Donc, si deux l'ont fait, je me demande bien pourquoi on parle que ça automatiquement ça paraît lui. Et comme avec l'expérience d'Adrastia, ce que j'avais constaté dans de nombreuses conférences, j'avais vu que les gens qui réalisaient la situation effectivement avaient une première phase de stupéfaction, puis étaient un petit peu perdus et cherchaient des modèles dans l'ouvrage. Je me suis dit, on ne va pas abandonner le lecteur en lui disant, bah voilà, un tas de mauvaises nouvelles, débrouille-toi avec ça, on va aller plus loin. Et on a tout un chapitre sur quelles attitudes adopter, qui ne sont que des propositions. Il y en a quatre, dont deux seront présentées, on en parlera aujourd'hui, mais il y en a quatre. Il y en a en fait une multitude, bien sûr, hein, on peut imaginer tout un tas d'attitudes. Mais l'idée, c'est de dire, bah écoute, ami lecteur, tu peux réagir, tu n'es pas obligé de rester assis sur tes fesses, pétrifié de terreur, comme... Les imprécateurs de l'effondrement nous accusent d'être. Voilà. Donc, commence par Vincent. Donc Vincent, on s'est rencontrés il y a longtemps. On a fondé Adrastia ensemble. Je t'ai suivi dans cette aventure. Tu peux nous dire plus sur ton parcours ?
Oui, alors d'abord, merci infiniment Laurent et Laurent pour cette initiative, cet ouvrage qui réunit des pensées très différentes et du coup les rend chacune plus riches de toutes les autres finalement. C'est pas par flagornerie que je dis ça, c'est parce que c'est vraiment la valeur ajoutée de l'ouvrage. Mon parcours, finalement, au départ, est assez banal. J'étais un ado qui se posait des questions existentielles tout à fait classiques et qui a tenté d'y répondre par lui-même. Donc, j'ai rapidement, assez tôt, vers, je sais pas, 16, 17, 18 ans, posé quelques tentatives de réponse aux grandes questions de l'existence. Et au fil des années, ces réponses personnelles se sont converties en un modèle, voilà, une espèce de théorie philosophique de l'existence, qui en soi n'a pas de valeur de vérité, c'est juste un support de réflexion. Pour moi, c'est aussi un support méthodologique. On va pas développer trop ce point précis ce soir, mais en tout cas, c'est de là que mon travail d'aujourd'hui est parti. Dans ce modèle philosophique de l'existence, effectivement, comme Laurent Testo le disait tout à l'heure, j'essaye de situer l'humanité en tant qu'espèce dans un contexte évolutif global et je tente de la définir sur des critères écologiques, c'est-à-dire comme l'écologie se définit, au regard de relations spécifiques au milieu, ce qui, à mon sens, définit l'humain, c'est sa capacité à établir des relations spéciales avec son milieu, différentes de l'ensemble des autres êtres vivants. Voilà mon parcours, le départ de mon parcours, ce qui m'a fait me questionner sur le risque de collapse, d'effondrement ou de déclin, on pourra préciser, c'est effectivement que dans ce premier modèle, qui a maintenant plus de presque 25 ans, j'étais parvenu à la conclusion que potentiellement l'humanité, dans ses capacités propres, on ne va pas parler encore de nature humaine, mais dans ses capacités propres, comprenait le risque de s'autodétruire ou en tout cas d'abîmer à ce point son milieu que cela lui porterait préjudice plus ou moins directement et qu'à terme, sa propre existence pourrait être remise en question. Voilà, en très résumé, mon parcours et évidemment Adrastia et le groupe Transition 2030 sont des étapes plus récentes qui sont les aspects plus partagés, plus collectifs de mes réflexions personnelles de départ. Je pense qu'il manque ton micro, Laurent. Ça va être le gag permanent, j'oublie à chaque fois de le remettre. Oui, tu t'intéresses énormément à l'histoire. Pour autant, peut-on être certain, en se situant sur une perspective historique, qu'un effondrement est inéluctable ? Est-ce que tu vois forcément l'histoire comme cyclique ou plutôt linéaire ? Alors, en fait, il faut absolument distinguer ce qu'on peut appeler un effondrement de ce qui, d'un déclin, en fait. Et même le déclin, il faut le définir ce dont on parle systématiquement. Que ce soit pour un effondrement ou pour un déclin, il faut définir ce dont on parle. Par exemple, en ce moment, avec le Covid, les gouvernements de par le monde essayent d'éviter l'effondrement du système de santé. Ils y parviennent. Peu ou prou, mais c'est un sous-système, un sous-élément d'un grand système qui, lui, tant bien que mal, continue de fonctionner, décline un peu sur le plan économique, mais c'est pas du tout le même processus, un effondrement et un déclin. Et je dirais qu'au cours de ce siècle, il y a une chose inéluctable, à mon sens, et une autre qui ne l'est pas. Un déclin économique global, à mon sens, est inéluctable. En ce sens-là, l'histoire tendrait à le montrer, c'est-à-dire que toutes les grandes civilisations, toutes les civilisations et même, pourquoi pas, toutes les communautés, quelles qu'elles soient, au bout d'un moment, finissent par se confronter à des limites ou des ruptures d'approvisionnement en énergie et risquent le déclin, voire déclinent si elles ne parviennent pas à contourner ces écueils-là. Donc, en fait, si des limites se posent au développement d'une société, quelle qu'elle soit, le déclin est inéluctable. Mais un effondrement, c'est autre chose. C'est lorsque cette société, en tout cas pour moi, perd l'organisation, perd la maîtrise de son organisation. Et ça n'est pas inéluctable. Donc, à mon sens, pour des raisons énergétiques et écologiques globales, on va dire, au cours de ce siècle, un déclin me semble inéluctable, un effondrement, pas nécessairement, mais à la condition que nous ne perdions pas la maîtrise de notre organisation sur tous les plans, politique, social, économique,
et morale éventuellement. C'est une question cruciale en ce moment. Oui. En conséquence, on peut se poser la question, quelles seraient les conditions nécessaires pour éviter un effondrement et accompagner le déclin? Alors, voilà une des questions qui est centrale en ce moment précisément. Je dirais, et d'ailleurs c'est en lien direct avec le texte que vous m'avez proposé de rédiger pour Collapsus, une des conditions nécessaires et je dirais même cardinales pour que les choses se passent au mieux au cours d'un déclin avec risque d'effondrement, c'est d'éviter autant que possible le mensonge, c'est-à-dire le travestissement de la réalité qui en soi est générateur de chaos, en tout cas de défiance, en particulier du peuple envers ses élites. Et le mensonge en soi, c'est ce que j'ai illustré avec cette nouvelle de Calderón qui m'a servi à articuler le texte pour Collapsus. Calderón, au XVIIe siècle, écrit une pièce de théâtre qui parle de la fin du siècle d'or en Espagne, c'est-à-dire eh bien, la fin de la domination de l'Espagne sur le plan culturel et économique, domination mondiale, pour des raisons justement économiques, c'est-à-dire que la capacité de l'Espagne à profiter de ses colonies s'amenuisait, se réduisait, et du coup l'économie vacillait, voire déclinait, et finalement l'Espagne n'a jamais retrouvé sa domination économique et culturelle. Et le roi de la pièce de théâtre écrite par Calderón se pose la question de savoir jusqu'où finalement il peut mentir à son peuple et dans quelle mesure le mensonge qu'il émet, ses propres croyances personnelles, son propre travestissement de la réalité, engendrera à sa suite ou non un pouvoir plus ou moins dictatorial ou autoritaire. Et ça, à mon sens, aujourd'hui, c'est la question centrale pour mener au mieux la confrontation à un réel contraignant tout au long de ce siècle, c'est de savoir si nous allons, en tant que sujet, en tant qu'individu, en tant que citoyen, et en tant qu'élite gouvernante ou élite industrielle, ou quelle que soit la place qu'on a en haut de la hiérarchie, est-ce que nous allons être capables de nous mentir d'une part ou non, et de mentir à l'autre et aux autres ou non. Et ça conditionnera, à mon sens, la bonne gestion, la bonne intégration de la limitation des possibles tout au long de ce siècle. Le micro, Laurent. C'est le club. On va passer à Julien. Julien, je t'invoque. Voilà. Super. Julien, on s'est rencontré dans une réunion un peu anodine et tu nous avais expliqué ta démarche personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer une nouvelle fois ici et comment ça t'a amené là où tu es maintenant? Merci Laurent de me donner la parole. Je rejoins Vincent qui tout à l'heure vous remerciait pour cette formidable opportunité que d'être ici, mais aussi forcément que d'avoir contribué au livre Collapsus. C'est une vraie chance pour moi. J'en suis toujours pas revenu, je crois. Et je commence tout de suite en disant que finalement j'ai pas l'impression qu'on soit si opposés, même si la conversation va se développer et peut-être me montrera que j'ai tort, mais j'ai pas l'impression d'être si éloigné de la démarche que vous présentez plus intérieure de Vincent, qui a été aussi la mienne. Pour répondre à ta question et me présenter succinctement, j'ai commencé une carrière dans le milieu des ONG, dans celui de la solidarité internationale, et ça m'a amené à vivre et travailler pendant près de 2 ans dans les bidonvilles de Bogota sur la thématique de l'autonomie alimentaire et du travail communautaire et politique dans le quartier. Et ensuite, je suis allé vivre pendant 2 ans, pareil, dans les bidonvilles, cette fois de Manille et de Cebu aux Philippines, sur la question de l'insertion des jeunes adultes les plus exclus. Et puis, en fait, en vivant, alors là, pareil, je suis très curieux d'avoir l'avis de Vincent sur ces sujets, mais en vivant cette catastrophe écologique du quotidien, hein, dans des pays qui sont très fortement touchés, notamment les Philippines, mais aussi en vivant les affres de notre système
économique mondialisée en Colombie notamment, mais aussi aux Philippines, et donc de voir l'exploitation du vivant dans sa globalité. Disons qu'au moment de rentrer en France, j'ai eu du mal à continuer à être celui que j'étais avant, c'est-à-dire un donneur de leçons qui était révolté de canapé plus qu'autre chose, et donc j'ai eu envie d'aller au-delà de tout ce qu'on m'opposait au moment où je présentais justement toutes ces situations terribles que je rencontrais de part et d'autre de la planète, et qu'on me répondait, mon entourage, mes collègues, etc. Mais oui, mais de toute façon, c'est impossible de changer les choses, que ce soit pour plus de solidarité, que ce soit pour plus de durabilité, ça sert à rien parce que moi je ne suis rien, ça sert à rien parce que les gouvernements nous manipulent, les entreprises nous mentent, parce que les Chinois, parce que la technologie, parce que, et donc du coup, j'ai décidé en fait de dire bah peut-être que la réponse et peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ces enjeux-là. Peut-être que il y a plus rien à faire, et à la fois j'ai besoin de le vivre dans ma chair. Et donc ça commence par moi d'essayer de répondre à tous ces oui mais que j'entends, et d'arriver à montrer jusqu'à quel point l'action, elle peut être individuelle et collective, elle peut être de résistance et de régénération, qu'elle peut être extérieure et intérieure, etc., etc. Pour mieux comprendre aussi ces enjeux écologiques que j'avais peut-être vécu, mais pas encore théorisé. Voilà. Et Laurent, tu as toujours ton micro. Décidément. On va y arriver. Oui, ton site préconise un grand nombre d'actions individuelles, en fait. Est-ce que tu penses que c'est la bonne échelle pour agir, l'action individuelle? Est-ce qu'il ne s'agirait pas non plus aussi ou surtout d'actions politiques adaptées au niveau global de l'urgence? Absolument, absolument. D'autant que je pense que plus je creuse et moins je sais. Et plus je me rends compte que chaque jour, un peu plus, la hauteur de l'urgence me dépasse et me noie. Et donc, forcément, une vision et des alternatives systémiques, que ce soit politique et économique, sont obligatoires pour arriver à je sais même pas si c'est inverser le cours des choses ou l'atténuer plutôt. Pour autant, ce dont je suis aussi persuadé, c'est que l'individu, même si dans l'ampleur, il n'a pas une ampleur extraordinaire, surtout, en fait, c'est l'étincelle d'un changement. On est les éclaireurs, on est les poils à gratter, on a cette responsabilité d'une certaine manière qui est libératrice, et ça je veux bien qu'on en reparle plus tard, mais on a cette responsabilité bien plus aussi ambitieuse que ce qu'on veut nous laisser croire, et ça aussi je veux bien revenir en détail tout à l'heure sur la question de l'ambition et du pouvoir qui est dans les mains des citoyens, mais de lancer un mouvement, parce que tristement, plus je vois le jeu se dérouler et plus je vois que ces métastructures politiques et économiques, elles se renvoient encore beaucoup trop la balle, et donc il faut continuer à déranger, il faut continuer à avancer. Mais oui, c'est sûr que c'est une dynamique. Je pense que le site, ça commence par moi. Il n'a pas la prétention de proposer des actions comme une réponse évidente et complète, mais plutôt de proposer une mise en mouvement face au fatalisme ambiant, et puis surtout un peu je sais pas si c'est un lâcher prise ou un abandon, mais moi surtout c'était le mode pilote automatique qui me rendait fou. 7 ans en ayant quitté la France, j'ai eu l'impression que les gens que j'avais laissés en France, mon entourage, étaient un peu restés sur place et continuaient dans cette roue de hamster à courir sans vraiment comprendre pourquoi. Et je pense qu'aussi la démarche du Ça commence par moi, c'était de d'oser se poser cette question qui devrait en fait être centrale dans nos vies, c'est qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on peut faire pour sublimer le cadeau de cette existence qui est pour l'instant la seule complexe comme ça dans l'univers dont on a la connaissance. Il y a eu une étude de Carbon 4 qui disait que les gestes éco-citoyens, ce n'était qu'un quart de la solution. Ouais, tout à fait. Ma foi, c'est le quart sur lequel on a une prise totale. Donc, c'est un peu dommage de l'acheter, à mon avis. Hein. Sans compter que si tout le monde fait un quart du chemin, ça va déjà avoir un effet de levier, peut-être, ou domino sur le reste du système qu'on ne contrôle pas. Peut-être, ça vaut peut-être aussi le coup de le jouer. Il y a des sociologues qui disent que quand 20%, une minorité de 20% se met à agir,
ça entraîne tous les autres. Donc, c'est aussi peut-être un truc intéressant. Et de ton expérience d'ONG, tu peux nous parler, parce que souvent on entend, oui, oh bah, le problème de l'effondrement, c'est surtout un problème d'occidental gavé. Et alors qu'on sait bien qu'au Bangladesh, ils sont complètement en train de revoir leur organisation, puisque la mer monte et submerge leur mer. On sait que la Malaisie est en train de changer sa capitale. L'Indonésie, oui, voilà. Donc, on n'est pas juste dans une vue de l'esprit d'occidental oisif qui ne sait pas quoi faire de ses week-ends. On est vraiment peut-être les derniers touchés, au contraire, face à des gens qui, eux, se battent tous les jours. Tu as des idées de ça? Ouais, absolument. Mais il y a deux choses dans ce que tu me dis. La première sur laquelle je vais rebondir, c'est la première partie de ta question, Laurent. C'est sur Carbon 4. Je suis avec attention à leur travail et je crois que toi-même dans ton intervention, tu pointes du doigt une limite à leur super rapport. Hein. D'ailleurs, je vous invite tous à consulter. Ça s'appelle faire sa part point d'interrogation. Et puis ensuite, vous trouverez facilement. Je pense qu'il manque d'ambition dans les changements et c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est que l'individu, on était l'étincelle de changement individuel forcément, mais si on sortait de notre carcan un peu individualiste, on avait cette capacité collective à aller beaucoup plus loin. Et donc, ils pointent du doigt 20% jusqu'à 40%, comme ils disent, pour une démarche héroïque. Ce qui veut dire qu'on pourrait, nous, individus, réduire de 4 tonnes sur les 10, 11 tonnes de l'empreinte écologique d'un Français moyen par an. Bah, figurez-vous qu'en un an, j'ai réussi, sans trop me forcer, de mon point de vue, à réduire plutôt de 70, 80%. Donc, je dis pas que tout le monde en a la possibilité, je dis pas que c'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas, si on voulait être vraiment héroïque, et encore, je questionne ce terme, on pourrait aller beaucoup plus loin. Ça, c'est la première chose. Et tu évoquais ensuite le fait que des sociologues travaillent aussi sur les mouvements pour transformer nos modes de vie, nos sociétés. Et je pense que c'est un peu la faille du rapport de Carbon 4, qui est un rapport d'ingénieur et qui manque, en fait, peut-être l'élément clé qui fait que notre humanité est celle qu'elle est, c'est-à-dire complètement inactive et à nous rendre fous face à des choses qui devraient être évidentes et nous mobiliser, mais en même temps si belle et si imprévisible quand elle est capable de faire corps et de soulever des montagnes. Et c'est notre capacité à être imprévisible et donc à pouvoir en fait se mobiliser parce que les modes, parce que l'envie de plaire, parce que aussi l'envie de se mettre au service. Et ça, je crois que c'est très important. Et donc en fait, ça commence par moi. Surtout, l'idée, c'est de dire oui, changeons, mais surtout changeons et soyons fiers de changer. Portons ce changement pour mettre de l'exponentialité dans ce changement et devenir des ambassadeurs. Et je pense que si aujourd'hui on devait chiffrer à peut-être 3-4 millions de Français, les Français proactifs sur ces sujets éco-citoyens, imaginez si on osait enfin aborder ce sujet de manière stratégique à toutes les opportunités qui nous sont données auprès de notre famille, nos amis, nos collègues, etc., etc. Je pense que dès l'année prochaine, on pourrait très bien être 30 millions. Et ça, je pense qu'il y a de la stratégie à mettre là-dedans et que, en fait, il y a tout un tas de mécanismes dans notre société consumériste qui vaudrait le coup d'être étudiés et dupliqués pour les causes qui nous intéressent. Et donc, la deuxième partie de ta question, qui est en fait très longue, je dirais pas que nous, l'effondrement, c'est quelque chose pour exciter un peu cette vie fade qu'on s'est créée, nous, occidentaux. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effondrement, il a débuté depuis de nombreuses années de l'autre côté du globe. Je pense y avoir été sans doute beaucoup plus confronté que ce que j'y suis confronté depuis que je suis en France, à quoi j'ai été confronté depuis que je suis en France. Et à la fois, on a le loisir de l'anticiper et donc de pouvoir normalement mettre à disposition tout ce temps de rabble, et je parle de temps, mais on a aussi des infrastructures, des connaissances, des choses qui sont assez extraordinaires à notre disposition pour faire en sorte qu'on profite de ce matelas encore de confort et de sécurité pour non seulement prévenir, mais en plus aider et se mettre à disposition de ceux qui sont déjà en train d'être impactés par les changements du système Terre et qui en plus, tristement, en sont les moins responsables. Pour autant, et c'est aussi ça ce que j'ai vu et ce qui me laisse perplexe, c'est que quand les gens sont dans ces changements qu'on redoute encore nous ici en Occident, et ben en fait on voit peut-être plus de vie, on voit peut-être encore plus d'envie de vivre que ce que nous vivons chez nous. Et ça, je pense que c'est un élément qui est intéressant.
Je vais passer le micro du coup à Vincent qui va nous rejoindre. C'est vrai que ça a quelque chose de magique, la formule invocatoire de Laurent fonctionnait très bien. Oui, je me demandais, Vincent, en quoi les développements récents, l'année qui s'est écoulée, rythmée par la pandémie du Covid, avaient affecté ton travail et l'avaient peut-être orienté sur d'autres pistes ou t'avaient confirmé dans certaines de tes hypothèses? Comment tu réagis, comment tu travailles aujourd'hui et quels sont tes projets immédiats? Alors, il y a effectivement cette question touche à beaucoup de comment dire beaucoup d'évolutions à la fois personnelles et dans mon travail au cours de ces derniers mois. Et le coronavirus est venu presque à point nommé me permettre de prendre un peu de recul sur l'évolution récente de l'étude de l'effondrement, ou plutôt de la communication, de la circulation de l'information autour du risque d'effondrement, qui est déjà avant l'apparition du virus, était déjà, à mon sens, en train de se normaliser, je le dis avec un petit accent péjoratif, et de se formater, de se reformater, en fait, tel que les médias peuvent diffuser cette information. Et finalement, alors je ne vais pas développer beaucoup, mais j'ai eu le sentiment cette dernière année, après l'explosion de la visibilité de la question de l'effondrement ou de la question du risque de déclin après 2018, hein, on se souvient des interventions de Nicolas Hulot ou de notre ancien Premier ministre, il y a eu une explosion de la visibilité et très vite, le discours, à mon sens, sur le risque d'effondrement s'est renormalisé pour devenir une nouvelle version d'un discours écologique classique, c'est-à-dire il y a un risque écologique, nous impactons notre milieu et si nous faisons telle ou telle chose, si nous suivons telle force de proposition, tel axe de travail, tel programme, alors qu'il soit défendu par un camp politique ou par un autre, qu'il soit technologique ou au contraire très frugal, de toute façon, on finissait par retrouver des discours politiques très traditionnels à mon sens et j'ai eu le sentiment qu'on avait manqué une opportunité forte de reposer une question fondamentale, qui est celle que je soulève depuis un petit moment, sans pouvoir y répondre de façon définitive moi-même, évidemment, mais une question fondamentale qui finalement sous-tend toutes les autres. Et donc toute la communication et toute la réflexion, toute la matière à penser qu'on peut produire autour du risque écologique, c'est est-ce que l'espèce humaine est-elle seulement capable de protéger son milieu, de ne pas l'impacter, de le préserver, quel que soit le vocabulaire qu'on utilise. Et en fait, il y a eu une toute petite fenêtre, à mon sens, pour qu'on repose cette question, alors sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan scientifique, anthropologique, historique, qu'on refasse tout le chemin que toi, Laurent Testot, tu fais en tant qu'historien, grâce à ton approche d'histoire globale, d'aller voir comment ça s'est passé il y a 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, voire 300 000 ans, et plus encore, puisque tu questionnes à l'échelle de millions d'années. Que s'est-il passé dans l'évolution de l'espèce humaine au regard de son approche avec le milieu, de son rapport avec son milieu, et au regard de cette histoire longue, quelle est la fenêtre des possibles aujourd'hui? Et si on ne repose pas cette question, en fait, on pourra dire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas répondu à la possibilité ou pas pour l'humain de protéger son milieu, ça n'aura peut-être aucun effet. Aucun effet sur le risque de déclin ou le risque d'effondrement. Donc, pour en revenir à ta question initiale, ce que je fais depuis un an, c'est prendre du recul. Je suis moins présent sur les réseaux, j'écris en arrière-plan, je réfléchis. Et je regarde un petit peu comment évolue le milieu pour savoir comment moi ou comment la question, comment moi je pourrais réamener la question dans le débat ou comment la question pourra être ramenée dans le débat toute seule, peu importe ma présence ou pas. Donc voilà mon actualité, c'est prendre du recul, regarder comment le sujet du risque d'effondrement évolue pour, je l'espère, ne pas le perdre. Je vais dire le mot. L'écologie, à mon sens, a été galvaudée et corrompue par tout ce qu'on connaît du greenwashing depuis ces dernières décennies. Il y a un fort risque de collapse washing dans les décennies qui viennent, et j'aimerais être parmi ceux qui participeront à la dénonciation de ce risque de collapse washing.
Je crois qu'il y a un problème de micro. Oui. Désolé, décidément. Alors, quel conseil tu donnerais au lecteur du livre qui se dit « Ok, il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses à m'apporter. Moi aussi, je te rejoins sur le risque de collapse washing, si on peut appeler ça comme ça. Je pense qu'on va forger le mot parce que je l'ai encore croisé nulle part, écrit nulle part, mais on peut voir ça arriver, on est capable de se raconter n'importe quelle histoire. Quel conseil tu donnerais au lecteur, voire quel conseil tu me donnerais à moi pour la suite? C'est la partie sur laquelle je suis toujours le plus réservé, c'est-à-dire que il faut vraiment laisser à ceux qui ont des ambitions politiques et prescriptives, voire d'orientation du collectif, ce travail-là et ne pas tout mélanger. Je suis plutôt de ceux qui essayent de diagnostiquer, de faire de l'analyse. Et dès lors qu'on s'oriente vers la posture du conseil et de la préconisation, je pense qu'on corrompt l'un ou l'autre. Voilà, si on fait trop d'analyse et qu'en même temps on se proclame prescripteur, eh bien, on est moins bon analyste, sans doute. Et si on est prescripteur, quelque part, être prescripteur, comme dirait Laurent Testo, c'est énoncer un récit, c'est-à-dire raconter des histoires et finalement ne pas être un très bon analyste ou en tout cas perdre de l'objectivité. Bon, parenthèse fermée. Quel conseil je pourrais donner? Je rebondirais peut-être sur justement ce que tu disais à propos de mon approche, que tu disais être intérieur ou je crains de l'avoir compris comme ça, comme étant tourné vers soi. Eh bien, ce que je pourrais préconiser en ouvrant Collapsus, c'est plutôt de se décentrer et d'aller voir à l'extérieur de sa propre pensée ce qui contraint à la fois la pensée et l'action. Et en fait, on se retrouve très vite à buter sur des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera jamais. Et c'est là peut-être que la question de Laurent Testo se repose, c'est-à-dire sur les grands déterminismes que tu me posais, Laurent, tout à l'heure, Laurent Testo. Qu'est-ce qui, finalement, contraint nos choix et nos actions? Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'influence, en particulier l'énergie, évidemment, la disponibilité de la matière, des ressources, et aussi, une dernière chose très importante sur le plan politique, nous n'avons pas d'influence directe sur la réaction de l'autre à quelques discours politiques qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que quiconque fait un énoncé prescripteur qui dit « si on suit cette voie-là, c'est la meilleure à suivre, il faut le faire absolument », on risque d'avoir quelqu'un en face qui va dire « non, c'est pas du tout mon choix ». Et si on n'anticipe pas cette réaction-là, on peut aller droit vers un conflit. Et conflit qui, s'il n'est pas anticipé, maîtrisé, lui débouchera sur une société plus chaotique que la société la veille. Voilà ce que je pourrais dire au lecteur de Collapsus, qu'il se décentre et qu'il regarde ce sur quoi va buter sa réflexion et son action avant de la mettre en œuvre, avant de les mettre en œuvre. Est-ce que, justement, les prises de conscience des limites planétaires, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire du risque que nous nous heurtions dans les décennies à venir à des limites mettant en péril la civilisation, est-ce que cette prise de conscience s'accompagne forcément d'une volonté d'action? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de cette prise de conscience qui devient de plus en plus forte, de plus en plus présente dans les médias et qui accompagne aussi des mouvements politiques. Le populisme, en quelque sorte, se nourrit pour partie de ça. Et donc, la question serait, au-delà de la volonté d'entrer en action ou de la volonté de comprendre, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la volonté de se protéger? Et comment tu préconises que quelqu'un puisse se protéger et rester en harmonie avec lui-même quand il est face à ce type de constat, quand ce type de constat commence à le convaincre? La tension est peut-être irrévocable. Je vais résumer très rapidement ce qu'il faudrait faire, à mon sens, si on veut faire quoi que ce soit qui réduise l'impact de l'individu ou de l'espèce humaine dans son ensemble sur son milieu. La première chose à faire, c'est réduire les revenus ou la richesse produite, mais en fait réduire les revenus qui arrivent sur les comptes, sur notre compte en banque. Pour un pays, ça veut dire réduire le PIB. C'est la première chose à faire parce que si on garde le même revenu et qu'on change son comportement derrière, en fait, l'impact sur le milieu reste le même. Pourquoi? Parce qu'une fois que le revenu est arrivé sur le compte, le mal est fait.
Donc, si on veut se découpler de la génération de richesse, donc de destruction du milieu, il faut réduire ses revenus. Ça, c'est la première chose à faire. La seconde, c'est partager ses revenus pour réduire les inégalités qui sont elles-mêmes génératrices de chaos, on le sait. Troisième chose à faire, c'est travailler de ses mains parce que de toute façon, il faut anticiper la fin de l'énergie et le retour, si vous voulez, si tu veux, à la contrainte physique. Il va falloir commencer à retravailler avec son corps. Et éventuellement, un quatrième point, c'est d'abandonner toute garantie sur l'avenir et en particulier toutes les sécurités qu'on peut avoir avec les systèmes d'assurance, qu'ils soient de santé, contre le chômage, les assurances habitation qu'on peut souscrire, etc. Donc ces quatre points-là, c'est la seule façon qu'on peut mettre en œuvre, à mon sens, pour réduire vraiment son empreinte sur le milieu. Le reste, pour moi, serait arrangé dans le collapse washing et les arrangements qu'on pourrait avoir avec la réalité qui finalement ne change pas l'avenir fondamentalement. Et si on veut se protéger émotionnellement quand on réalise vraiment le risque pour l'avenir, et bien c'est cette tension-là qu'il va falloir travailler, que je n'ai pas complètement résolue moi-même et que je pense n'est pas. Cette tension-là n'est, je pense, du coup, pas du tout résolue dans la communauté ni écologique ni effondriste. C'est que la seule chose à faire si on veut vraiment limiter le chaos pour demain, c'est réduire la potentialité d'action. Je réponds précisément à ta question, Laurent. Que faire? Comment agir pour demain? Le problème, c'est que la seule chose à faire, c'est réduire l'action. Voilà. Moins faire. Et faire en faisant plus d'efforts physiques, se déplacer à pied, tout produire par soi-même, etc., etc. Et cette tension-là, si on n'a pas compris que de toute façon, c'est intégrer moins d'action, finalement, moins de transformation avec le milieu, on ne la résoudra pas. Je pense que cette tension-là ne peut pas être même. Je vais même laisser la réponse encore plus ouverte. Il est possible que l'humanité traverse tout ce siècle en ne faisant qu'arbitrer entre un pôle et un autre des réponses possibles à cette question de tension, mais que la tension reste en permanence présente. Ton micro, Laurent. C'est moins drôle la quatrième fois. Ça fait une excellente transition puisque avec Julien, justement, on a une liste de propositions pour réduire son impact et quelque part réduire son impact. Je pense que tu seras d'accord, Julien, c'est réduire son action. Qu'en penses-tu ? Absolument. Ça ne va pas plaire à tous les gens qui croient à la croissance économique et au développement du potentiel humain. Ah non, c'est sûr. Moi, si on voit notre activité, notre société comme un millefeuille, chaque feuille qu'on rajoute est une feuille de trop, quelle que soit sa nuance pseudo ou vraiment verte d'ailleurs. Non, l'idée c'est d'abord clairement désencombrer nos vies, hein, pour avoir vécu la simplicité volontaire. Dans mes expériences précédentes en Colombie et aux Philippines, ce qui est sûr, c'est que en France, c'est assez effarant de voir à quel point on vit dans le gras, dans le trop, dans le tout, et d'autant plus choquant que en fait, on a cette surabondance qui est cruellement confrontée à de plus en plus de pauvres. On a dépassé les 10 millions de pauvres, voilà. Donc en fait, non seulement ça devrait être une évidence, mais en fait, ça devrait presque même nous paraître obscène de continuer à accumuler, alors que d'autres, juste à côté de chez nous, là, aujourd'hui, hein, au moment où on est en train de parler, sont en train de toujours plus aller grossir les queues de la distribution alimentaire. Et si je peux me permettre, en attendant que vous me donniez une autre question, revenir un petit peu à la question de Laurent Testo sur la meilleure chose qu'on ait à faire et sur la place du populisme et l'évolution dans la société. Moi, ça me semble être une paresse intellectuelle absolument terrible de se laisser tomber dans ce piège-là. C'est vraiment de la paresse parce que, en fait, penser qu'on va être suffisamment fort pour pouvoir barricader nos frontières face aux, certains disent 200 millions, d'autres 600 millions. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on nous promettait même 3,5 milliards de migrants climatiques d'ici 2050, 2070. Enfin, c'est une folie, en fait. Et c'est d'autant plus important que d'arriver à voir l'autre
comme une richesse plutôt que comme une menace. Et ça, c'est proportionnellement presque possible à partir du moment où on est capable de vider nos vies. Si on vide nos vies d'objets, de compétitions complètement futiles, alors on arrive à remplir nos vies d'autres choses autrement plus fortes, comme la relation à l'autre et aussi la relation à notre créativité, à notre spiritualité, à notre bonheur intérieur, qui sont en fait, de manière logique, les seules réponses à peu près fiables qu'on peut apporter et qu'on peut espérer avoir avec nous face aux enjeux des prochaines décennies. Du coup, ça pose la question de qui décroche et qui fait de la frugalité, parce que on a un peu l'impression que, comme dans l'allégorie de la bande dessinée du transpersonnage, par exemple, il y a les fins de wagon là qui, de temps en temps, on décroche quelques wagons, on les largue en disant bye bye Yémen, bye bye Venezuela, bye bye Syrie, et puis demain peut-être bye bye certaines classes sociales, et que en tête de train, pour ce que le train, on le veut toujours croissant, on allège le train, on jette par-dessus bord tout un tas de choses, dont des gens, et si ça passe, ça peut être que créateur de conflits, de déséquilibre, on voit les effets d'accroissement des inégalités. Vous voyez ça comment ? C'est une excellente question. L'allégorie marche bien. Et en fait, moi, ça me donne envie de dire que, en fait, plutôt que d'essayer de raisonner, c'est vraiment en ce moment la réflexion que j'aime. Est-ce qu'on arrivera à un moment à raisonner, donner envie, légiférer et contraindre la tête de train pour que elle cesse de nous emmener à toute vitesse vers le monde dans lequel on est en train d'aller, qui malheureusement pour l'instant continue à puiser toujours plus de ressources et donc à nous faire espérer, enfin regretter et d'ailleurs avoir peur des plus 3, 4, 7 degrés d'ici 2100. Est-ce qu'on est capable de quitter le train encore ? Et si on quitte le train, est-ce que le train va continuer malgré nous ? Et puis en plus de ça, comment on fait pour sortir de notre vision occidentale qui dit que les personnes qui sont au début du train, elles sont celles qui ont réussi et celles qui ont la meilleure vie ? Parce que j'ai quand même tendance, pour avoir un peu eu la chance de parcourir tous les wagons, de dire que, en fait, enfin, franchement, la vie la plus intensément vécue, elle est sûrement pas en tête de train. Et donc, il y a quelque chose à concilier par rapport à ça. Mais bon, mathématiquement, si on parle juste d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le travail, il est à faire pour les 10% des personnes les plus riches. En fait, c'est tout. Et c'est en général l'une des questions qui m'irrite un peu quand on fait ce genre de rassemblement sur les questions qui nous occupent et qu'il y a toujours quelqu'un qui nous dit c'est dommage parce que on est toujours un peu les mêmes et où ils sont les pauvres. En fait, les pauvres, laissons-les où ils sont. Franchement, c'est moi, ce que j'aimerais entraîner plus à nos échanges, c'est les gens du 16e arrondissement et qui ont la possibilité de se payer des voitures à 50 000 euros plutôt que ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Je n'ai pas répondu à ta question, hein, l'allégorie, là, elle est difficile à traiter, mais j'arrive pas à savoir si... si on arrivera à faire en sorte que ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils ont en fait, les personnes qui sont dans la tête du train, ils ont aucun plaisir, aucun bonheur, aucune chance à être dans cette tête du train. Et si on pourrait pas découvrir d'une manière ou d'une autre d'autres, je continue la métaphore un peu bancale, mais d'autres moyens, soit de contrôler, soit de ralentir le train dans d'autres wagons. Et toujours ce micro. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, j'y ai pensé. Il y a deux commentaires d'auditeurs qui nous sont relayés par Adrien Moisson. Le premier message, c'est « Changer individuellement permet aussi de préparer et de se préparer au changement collectif. » Qu'est-ce que ça t'inspire, Julien ?
Moi, personnellement, j'aurais tendance à arrêter d'opposer le changement individuel et le changement collectif. C'est ce que j'ai essayé d'incarner avec la démarche Ça commence par moi. Et c'est là où je me rends compte, plus le temps passe et plus je me rends compte que je me suis complètement planté. Parce que, en fait, la démarche Ça commence par moi, c'était de mettre en avant le travail politique que je menais dans différentes expériences, le travail associatif que je menais aussi à différentes échelles, le travail professionnel, économique, bref, les imbrications de l'individu dans des collectifs plus ou moins forts, plus ou moins dissous, plus ou moins réduits, et donc en fait individu collectif, c'est, enfin, je pense que c'est cloisonné dans nos têtes, mais c'est pas du tout cloisonné dans nos vies, et malheureusement on s'en rend pas suffisamment compte, et c'est sûr que le mouvement par contre, dans le changement individuel, à mon avis, il est le plus intéressant dans le sens non pas de réduction de notre impact, même si je rejoins Vincent quand il dit qu'en fait le mieux qu'on puisse faire, c'est de réduire tout ce qu'on fait, et pas que, hein, mais entre autres. Et en fait, ce changement-là, à mon avis, c'est surtout dans la réappropriation de notre pouvoir. Et de sortir de ce rôle de porte-monnaie sur pattes dans lequel on nous a ou on s'est laissé enfermer. Et donc cette action individuelle, à mon avis, elle a cette vertu-là, celle de reprendre le pouvoir de faire, le pouvoir de décider, le pouvoir de régénérer, le pouvoir de tellement d'autres choses. Parce que nous, les individus, nous, les êtres humains, on est bien plus que des consommateurs, gaspilleurs, compétiteurs. On a le pouvoir de réduire, bien sûr, mais on a le pouvoir de décider d'être heureux sans sortir notre carte bleue, et c'est ce qui est majoritairement le cas. On a le pouvoir de recréer du lien, on a le pouvoir d'être solidaire, on a le pouvoir de résister, on a le pouvoir de régénérer aussi, et on a, à mon sens, cette opportunité extraordinaire, et là, cette année 2020 nous le montre d'autant plus, de redécider notre place dans la nature, une place non plus de dominateur, mais une place au service. Au service d'une nature qui a besoin qu'on la laisse tranquille, mais au service aussi d'une nature qui a besoin qu'on l'aide et qu'on répare un peu ce qui a été tristement fait ces dernières années. Donc ce pouvoir-là, on en a besoin, et on a besoin que le maximum de personnes s'en ressaisissent, parce que s'il est infime, il est bien réel, et cumulé et dirigé adroitement, en fait, il est bien plus fort que ce qu'on pense. La question suivante s'adresse directement à Vincent Mignoureau, donc je vais le réinvoquer. Un autre auditeur demande, et on est toujours dans les questions de pouvoir, et à l'inverse, en imaginant que justement les pouvoirs individuels ne suffisent pas à altérer la trajectoire. Donc la question est, pour aller au fond de tes réflexions, Vincent, un gouvernement autoritaire, voire dictatorial, est-il sur la ligne de mire? C'est une question essentielle qui ne débouche pas forcément sur une réponse stricte qui serait celle d'un gouvernement inéluctablement autoritaire et dictatorial. Pourquoi c'est une question centrale? Parce que dans ce que je considère être la définition de l'inscription écologique de l'humain, il y a des paramètres intrinsèquement autoritaire, arbitraire et totalitaire. Alors, il faut prendre ces mots avec des pincettes, mais il faut rappeler que le vivant, depuis qu'il se déploie sur la planète, est contraint par l'autorité de la vie et de la mort, c'est-à-dire que si le vivant est adapté, si le métabolisme du corps fonctionne, si les défenses sont organisées, si l'être vivant peut s'alimenter, il vit. Si la moindre de ses fonctions défaille, il meurt. Et c'est binaire, en fait, hein. Et ça, c'est le côté autoritaire. Le côté arbitraire, c'est que la mort peut survenir sans prévenir du tout dans le vivant, que ce soit la survenue d'un virus ou d'un prédateur. C'est la règle d'organisation du vivant depuis 4 milliards d'années sur la planète Terre. Et l'aspect totalitaire de l'organisation du vivant, c'est qu'il n'y a pas un seul être vivant qui peut se soustraire aux deux premières règles. Donc, oui, la question de l'existence sous des régimes autoritaires, arbitraires et totalitaires se pose pour, finalement, pas métaphoriquement, se pose pour l'ensemble des êtres vivants. Nous sommes l'espèce qui a repoussé ces contraintes autoritaires, arbitraires et totalitaires avec des moyens techniques. Eh bien, nous nous sommes soignés mieux, nous nous sommes alimentés mieux et nous nous sommes mieux défendus, ce qui fait que les prédateurs nous ont laissés tranquilles. Nous avons donc repoussé l'autoritaire et l'arbitraire, mais lorsqu'il y a une contrainte énergétique,
lorsqu'il y a une rupture économique, lorsqu'il y a des faiblesses intrinsèques, politiques ou morales dans un pays, eh bien ces contraintes ont tendance naturellement à se réimposer. Et à l'interface entre l'organisation des communautés et l'extérieur, c'est-à-dire eh bien, les grandes règles de la compétition pour l'existence, il y a les régimes politiques. C'est ça qui se place à l'interface entre notre milieu et l'organisation de la communauté, ce sont les régimes politiques. Donc oui, il est possible que dans un régime de contraintes économiques et énergétiques, à l'interface de notre rapport avec le reste du monde, avec les contraintes de l'existence, se positionnent des pouvoirs autoritaires et dictatoriaux. Parce qu'en fait, ils vont juste faire cloison avec la nature autoritaire de l'existence, et totalitaire de l'existence. Mais ce qu'on observe dans l'humanité, c'est qu'elle est capable justement de ne pas trop subir à l'intérieur de son organisation ces contraintes autoritaires et arbitraires, peut-être même alors qu'elles essayent de repénétrer son organisation politique. Et je vous renvoie pour aller plus loin dans cette réflexion, parce que je n'ai pas de réponse définitive, je dis juste simplement, ça n'est pas inéluctable que les régimes de demain soient totalitaires et autoritaires. Et dictatoriaux. Je vous renvoie vers une interview qu'a faite Julien Devorex sur sa chaîne Sismic, une interview de Séverine Arsène, qui est politologue et sinologue, et qui parle de la surveillance en Chine. Et elle montre bien que le régime autoritaire et qui surveille de très près ses citoyens, en fait, ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que le citoyen se soustrait relativement efficacement à la surveillance, ou en tout cas, il peut le faire, dans la mesure où il considère que cette surveillance est injuste et pas justifiée. Et donc, comme il se soustrait, l'État a finalement, pour certains, pour une partie de sa communauté, moins d'influence et moins de capacité à le surveiller parce que eh bien, le citoyen ou des citoyens organisés, finalement, mentent par eux-mêmes au gouvernement, ne déclarent pas tous leurs revenus, ne disent pas tout ce qu'ils font, se cachent des caméras, détruisent les caméras, etc. Ce qui fait que ce type de régime-là peut être intrinsèquement défaillant. Alors que des régimes plutôt basés sur la confiance, et peut-être même en temps contraint, et on le verra demain, peut-être que des régimes basés sur la confiance resteraient plus performants. Encore faudrait-il que des régimes basés sur la confiance existent vraiment aujourd'hui, là la question est d'actualité. Et en tout cas, il faut, à mon sens, et c'est ma position politique, orienter l'évolution des organisations politiques de demain vers une restauration de la confiance. Et encore une fois, c'était ce que je voulais montrer avec l'illustration de la pièce de Calderon que j'ai utilisée pour Collapsus. Alors, si je te suis bien, on pourrait faire un 4 cases. En colonne, deux hypothèses. On est dans le déni et on essaye de faire perdurer un ordre ancien prédateur qui va à sa perte parce qu'il se dévore lui-même, en quelque sorte, ou en tout cas, il dévore le substrat qu'il fait vivre. De l'autre, une approche réaliste de la situation où on essaye de gérer avec les aérofreins et de passer vers un déclin plutôt que d'aller vers un effondrement. Et puis, si on fait deux lignes, on peut avoir un système autoritaire et un système plus démocratique où les choses sont négociées et discutées. Et on pourrait donc avoir une tyrannie des élites qui a servi les minorités pour continuer le bal, mais même s'il y a moins de monde à danser. Une tyrannie qui impose le retour du réel aux vies des gens contre leur volonté. Et puis une démocratie où tout le monde se ment un peu ce qu'on est actuellement, je dirais, hein, où on se raconte que tout va bien et on affabule et là on est dans le collapso-watching, etc. Ou bien une démocratie où on négocierait pied à pied chaque contrainte qui revient. C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, quoi. Peut-être à des échelles moindres, des sociétés, je ne sais pas comment on fait les Vikings du Groenland quand ils ont décidé de réembarquer parce que bon, ça devenait difficile. Ils ne sont pas morts sur place, hein, apparemment, si j'ai bien compris, ils ont réembarqué. Donc on a ces quatre cas, ça te semble les scénarios, les hypothèses viables, cette vision ? Mais toutes ces hypothèses me semblent viables. On pourrait dire déjà la chose que tout le monde connaît maintenant, c'est l'aspect très mosaïque de l'avenir, hein, probablement que toutes les hypothèses cohabiteront sur la planète.
et que bon, on peut souhaiter pour son prochain de bénéficier de l'hypothèse la plus sympathique sur le plan de la vie sociale et des libertés, évidemment, mais il est à craindre que ce soit très mosaïque et que tout le monde ne soit pas sous le même régime. Je renvoie là du coup aux travaux de Laurent Mermet qui rappelle combien le refoulement du distributif est funeste dans l'analyse écologique et politico-écologique. On a tendance à oublier qui paye pour ceux qui profitent. Bon. Je reprendrai l'expression de Jean-Marc Gansil qui a titré son livre « Ne plus se mentir » et je l'articulerai avec ce qu'on a vu passer dernièrement, ce fameux reportage Hold Up, ce fameux faux documentaire Hold Up, qui explique que nous sommes sous le coup d'un pouvoir qui veut annihiler une partie de la population avec un virus qui est pour le coup soit inoffensif, soit très dangereux, on ne sait pas trop, enfin, ce documentaire était vraiment très mauvais. Peu importe, ce qui m'a interpellé, c'est la question sous-jacente. Et je parlais tout à l'heure de l'importance, ou en tout cas du rôle important qu'a le mensonge dans l'organisation des sociétés, et j'ai eu le sentiment que le public de ce documentaire demandait à un pouvoir qu'il accuse d'avoir menti, ce public-là demande finalement à un pouvoir de substitution « Mens-moi meilleur ». C'est ça la question en fait. Ce sont des personnes dont je comprends l'angoisse, la crainte, la fragilité, je comprends très bien l'origine des questions qu'ils se posent, et ils demandent finalement que le pouvoir qu'ils mettront en place demain énonce un mensonge plus fort, ou en tout cas plus efficace. C'est-à-dire qu'il soit plus performant pour deux choses, dissimuler les difficultés de la réalité. Et l'autre chose qui est le plus à craindre pour l'avenir, c'est le rejet sur l'autre de la faute collective, c'est-à-dire désigner un ennemi commun qu'on irait abattre et qu'on irait contre lequel il faudrait lutter pour se sentir du bon côté justement des cases que tu as définies, Laurent, précédemment. Donc, la vraie question finalement, alors que nous n'avons pas répondu à la question initiale de savoir si nous sommes capables ou non de protéger le milieu, c'est-à-dire de sauvegarder l'avenir. C'est ça la question anthropologique fondamentale. Est-ce que l'humanité est capable de protéger son milieu, donc son avenir? On ne sait pas. Donc finalement, la demande des régimes politiques de demain, c'est êtes-vous capable de continuer à entretenir le mensonge sur la possibilité ou non pour l'humanité de protéger son avenir? C'est ça finalement la question qu'un régime autoritaire ou non devra assumer. Je n'ai pas la réponse, j'ai une réponse personnelle, je sais sous quel régime je préfère vivre, mais je crains que de toute façon, la demande sous-jacente, ce soit une forme de continuité d'un certain mensonge. Merci Vincent. Je vais solliciter Julien pour lui demander également, plus simplement, je ne vais pas faire des cases dans le futur, mais comment vois-tu le futur proche, le futur éloigné, nos évolutions à venir ou les futurs possibles? Je rejoins Vincent quand il parlait de mosaïque. Je pense qu'il va falloir qu'on accepte chaque décennie encore plus la complexité de nos destins qui seront à la fois très liés et je pense aussi très morcelés et que l'énergie sera réfiant. Je pense qu'en plus qu'on va revenir à une échelle et donc à une complexité aussi beaucoup plus locale avec peut-être différentes variantes à pourquoi pas quelques centaines de kilomètres les unes des autres. Moi, dès qu'on parle de futur, la première chose qui me vient en tête, c'est quand même cette phrase de Churchill qui dit que c'est mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Il y a quand même cette envie d'être proactif par rapport à ces changements qui viennent et disons que dès que je pense aux incertitudes à venir, je peux pas m'empêcher de me dire, je sais pas, un sportif préparerait la prochaine compétition, profitons de la période creuse et des entraînements qui sont à notre disposition pour essayer non pas d'être les plus prêts pour forcément réussir, mais en tout cas d'être les plus sereins au moment d'être confrontés à ce qui
devra de toute manière ou pas nous arriver, parce que je pense vraiment que nos futurs dépendent de notre capacité à voir ces bouleversements comme une opportunité de toujours aller plus vers l'autre, vers l'essentiel, ou comme une menace, et donc avec soit d'un côté celui qui est de l'autre côté de notre porte qui est un allié, soit au contraire un potentiel concurrent. Et donc comment on l'attend? Est-ce qu'on l'attend avec une carabine derrière la porte, ou est-ce qu'on l'attend la main tendue en partageant ce qu'il nous restera dans les placards? C'est sûr. Et après, honnêtement, je suis complètement à l'aise aussi en disant que je n'ai pas les compétences, et que en plus je me méfie pas mal de celles et ceux qui sont capables de nous dérouler des perspectives dans les décennies à venir même, hein, parce qu'en fait le système Terre, il est tellement global et tellement complet et tellement complexe que j'ai l'impression que même en ce moment, chaque nouvelle année viennent des nouveautés, des contradictions, même si en général elles sont pour empirer la situation qui nous attend. Et en plus, l'humanité aussi, elle est tellement complexe et tellement, encore une fois, imprévisible, que on a vraiment, vraiment du mal, enfin en tout cas moi j'ai du mal à me projeter. J'en veux pour preuve que si vous m'aviez posé la question l'année dernière, alors que la Chine était déjà en train de construire des hôpitaux d'une semaine à l'autre pour lutter contre une épidémie qu'on ne connaissait alors quasiment pas, jamais, au grand jamais, malgré ces signaux précurseurs, j'aurais été capable d'imaginer que l'intégralité du pays allait être cloîtrée plusieurs mois d'affilée dans un calme plus que relatif d'ailleurs, avec en plus des valeurs de solidarité, d'entraide et une envie de retourner à des choses profondes, à la relation avec nos proches, à la culture qu'on a vu ces derniers mois et que personne nous promettait. Donc voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus en détail, même si forcément, quand on évoque ces sujets, je ne peux pas m'empêcher aussi d'avoir en tête des images qui me viennent de mes précédentes expériences, avec ce qui est sûr, c'est que ça sera... Enfin, ce que je pressens, c'est que la vie, quoi qu'elle en soit, sera beaucoup plus intense. J'ai un peu l'impression qu'on a vécu ces dernières décennies dans du formol, beaucoup plus intense en joie, en célébration, mais aussi beaucoup plus intense en surprise, en coup dur et tout ce qui va avec, quoi. Merci, Julien. Alors, on va terminer sur les petites questions rituelles de la fin de l'interview. Ton prochain livre ou celui que tu aimerais écrire? Le prochain livre que je vais écrire, mais c'est ça y est, le projet est lancé. Ce sera un livre pour raconter les utopies réalistes. J'aimerais l'intituler 2030 glorieuse. C'est comment, en fait, plutôt que de prévoir le pire, il faudrait qu'on essaye de construire le meilleur. Et construire le meilleur, ça passe par le raconter, ce meilleur, par l'imaginer, par s'y projeter. Et donc, ça serait un voyage, voilà, dans les futurs souhaitables, comme le dit Mathieu Baudin. D'accord. Et justement, ta pire inquiétude? Ma pire inquiétude, ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est que la majorité de mes compatriotes voient l'autre comme une menace. Mmh. Ton meilleur espoir? Là aussi, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais même si cette année 2020, et quand on y est encore les deux pieds dedans, paraît très difficile. Franchement, sans parler de l'aspect comptable, hein, et de la réduction assez impressionnante des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est très ponctuel, je suis assez enthousiaste par la capacité de réaction, enfin par les réactions qu'ont montré les Français, pour parler de ce que j'ai vu, mais j'ai un peu l'impression quand même que c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans le monde entier, une capacité d'acceptation pour se mettre au service des autres, de solidarité, d'entraide, et en moment de crispation, de aussi
même si on l'a vu avec les thèses complotistes qui ont pris le devant, aussi une envie de revenir vers la culture, la nature, les proches que j'ai vu très présentes et dont on n'a pas assez parlé parce que bah forcément ça fait moins de clics et ça fait moins de vues et ça fait moins de partages. Mais en fait, juste avant de refermer à nouveau les commerces, moi j'ai vu des files d'attente devant les librairies et j'ai vu des moments intenses comme j'avais jamais vu avec mes proches, etc., etc. Donc ça me donne de l'espoir. Et en parlant de librairies, comme elles vont rouvrir, un livre que tu recommandes? Eh bien, le dernier que je viens de fermer, qui est un livre de Yannick Roudot, qui avait écrit il y a quelques années sur la nouvelle controverse. Et là, j'ai été enthousiasmé de sa capacité à reprendre son projet éditorial. En fait, il était sur le point de le sortir, puis le Covid est arrivé et la pandémie est arrivée. Et en fait, il l'a complètement remanié. Ça s'appelle « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie ». Voilà, c'est aux éditions La Mer Salée. Et un film que tu recommanderais? Vous m'avez posé la question par mail hein, et je devais me préparer et j'ai eu beaucoup de mal. Il y en a qu'un seul qui me vient en tête dans les documentaires qui m'ont marqué sur les sujets qui nous occupent. C'est la Terre vue du cœur de Hubert Reeves qui met en avant un aspect émotionnel qui me semble trop peu mis en avant en général dans nos sujets. Et je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de remettre en route nos cœurs. Mais plus largement, j'invite un peu tout le monde à aller faire un tour du côté d'Imago TV, qui est cette plateforme en ligne qui met à disposition, j'allais dire des centaines, à mon avis, je me trompe pas, des centaines de documentaires, de vidéos, de podcasts aussi, notamment les podcasts sur lesquels je travaille en ce moment et le dernier qui s'appelle 2030 Glorieuse. Mais c'est vraiment une manne quand on veut avancer sur les sujets dont on a parlé pendant une heure. D'accord. Merci, Julien. Alors, il y aura des questions d'auditeurs, donc reste en ligne. Je vais poser les mêmes questions à Vincent. Oui. Oui, Laurent. Donc, ton prochain livre. Alors, mon prochain livre, je ne peux pas trop en dire pour l'instant. Le prochain livre traitera de la transition énergétique. Et l'hypothèse que je vais développer, c'est le risque que la transition énergétique, finalement, nous fasse émettre plus de CO2 que si on ne la faisait pas. Et je verrai si l'hypothèse se vérifie ou pas au cours des développements. C'est une question cruciale à mon sens. Ta pire inquiétude ? Ma pire inquiétude serait d'être obligé de me mentir pour vivre. Et ton meilleur espoir? Mon meilleur espoir, il évoque cette tension dont je parlais tout à l'heure. Ça serait que le chaos écologique soit tel, alors ça c'est le côté négatif, le chaos écologique soit tel que l'humanité soit obligée de s'assagir pour s'adapter et résister sur aussi longtemps que possible. Voilà, c'est mon meilleur espoir. Un livre que tu recommandes? Deux livres, alors je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les hypothèses ou les axes d'analyse, mais Aux racines de l'anthropocène de Michel Manif est un excellent, voilà, lecture générale de l'histoire longue de notre problématique contemporaine. Et puis un livre qui répond d'une certaine façon à Collapsus, un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire faire se rencontrer des auteurs différents, L'effondrement de l'Empire humain, qui a été initié par Manon Comaret et Pierrot Pantel. Et je crois que tu vas me demander le film que je recommande, c'est ça? Bien sûr. Eh bien, j'ai repensé cet après-midi à un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, First Man, le premier homme sur la Lune. C'est une fiction avec un petit moment où il y a des images d'archives qui sont troublantes. Alors d'une part, le film est majestueux parce qu'on y voit le côté grandiloquent et l'hubris, la démesure de l'humanité. Hein, l'humanité est capable d'aller marcher sur son satellite. Le satellite de la Terre en soi, c'est extrêmement troublant, impressionnant et marque à quel point nous sommes quelque part puissants. Mais le moment qui est troublant et majeur, c'est celui où on voit des images d'archives, où on entend en tout cas Jill Scott Heron, ce poète américain, poète musicien américain, qui chante White is on the Moon, qui énonce son poème White is on the Moon. Et ce poème dénonce tout simplement les très grandes injustices et inégalités qui étaient l'actualité en fait de l'Amérique des années 60. Et cette tension, encore une fois, entre la
quelque part une forme de gloire et de réussite de l'humanité qui s'appuie sur une souffrance très très grande et sur des inégalités très grandes qu'il ne faut absolument jamais oublier et toujours avoir sous les yeux à chaque fois qu'on pense en particulier la problématique écologique. Alors, il y a plusieurs questions de gens qui ont suivi nos échanges. Il y a quelqu'un qui demande, imaginons que l'on conserve les mêmes revenus, mais que l'on les redistribue avec ceux qu'on en ait vraiment besoin. Est-ce que ça marche pour améliorer les choses ? Derrière, il y a la question de peut-être de la philanthropie, j'imagine. Je n'en suis pas sûr. Gaël Giraud explique que si on mettait tout le monde au même revenu, on aurait un monde plus égalitaire, donc ça c'est parfaitement vertueux. Par contre, on aurait le même niveau de dégâts sur la planète, je crois que tu connais ces chiffres, Laurent Testo aussi, c'est-à-dire que finalement l'avenir serait compromis tout autant. Et par ailleurs, c'est une autre question plus complexe que je traiterai, j'espère, dans les 2 ans qui viennent, si j'ai le temps de m'y consacrer. Je crains que générer des revenus, c'est-à-dire puiser des ressources, les faire transformer et faire remonter la richesse tout au long de la pyramide de l'organisation des sociétés, implique que pour générer un revenu quelque part à un certain niveau, il faut malheureusement, et ça rejoint les inégalités dont je parlais tout à l'heure avec l'homme qui marche sur la lune pendant que d'autres souffrent, il faut peut-être malheureusement que quelqu'un soit moins payé quelque part et ait des revenus inférieurs quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être un risque structurel impliqué par le fait de générer de la richesse et qu'il ne soit pas possible de générer de la richesse de façon équitable par nature. Et ça, c'est un risque immense qui oriente toutes les politiques économiques de demain. Et je pense que cette question-là n'est pas assez bien traitée, c'est-à-dire ce que j'appelle la théorie du pompage économique, c'est-à-dire que pour générer de la richesse, il faut pomper, il faut s'appuyer sur quelque chose, donc il y a des inégalités. Et il faut se confronter à cette question frontalement. Alors, il y a une autre question que je poserai également à Julien. Est-ce que tu auras un modèle socio-économique en particulier à recommander ? Personnellement ? Oui, pardon, tu poses la question à Julien et à moi. Je suis un décroissant dans l'âme et dans les faits, d'ailleurs. Mais je reprends ma question précédente, je ne suis pas sûr que ce soit possible par anticipation et hors de la contrainte. Et je passe la parole à Julien. On a 1h30 pour recommencer sur ces sujets, hein, c'est ça ? Il faudra recommencer l'émission plus tard, mais là, ça serait bien quelques minutes au maximum. Ouais, je ne sais pas comment répondre à ce nivellement par le temps. C'est assez facile de répondre sur la question du nivellement par le haut, qui effectivement est en termes de ressources impossible. De nos sociétés, on devrait plutôt tendre sur un nivellement économique par le bas, même si là on le voit, il y a malheureusement trop de gens qui sont en train de passer en dessous d'un seuil où il est difficile de vivre décemment, et donc ça me pose des questions. Et puis en plus, sur la question des inégalités, je ne suis pas non plus, effectivement, comme Vincent, certain qu'une société puisse tenir sans inégalité, mais j'aimerais bien qu'on arrive, et là, ça rejoint des commentaires que j'ai vu passer, à se confronter à l'existence de ces inégalités, et donc peut-être, plutôt que de les annuler, à minima les réguler, et donc la question notamment des salaires, mais aussi la question de ce qu'on lègue et de ce dont on hérite, etc., etc. Enfin, à mon avis, mérite d'être abordé largement. Après, est-ce que c'est un ratio de 1 à 4, comme c'est indiqué dans le commentaire, un ratio de 1 à 10, etc., etc. Qu'est-ce qu'on remet au pot commun de l'humanité ? C'est des sujets sur lesquels je suis pas spécialiste, mais j'aimerais qu'on ait plus la question. Encore faut-il que le gros chien de la meute accepte de lâcher son os. Absolument. Tout à fait. Laurent, tout à l'heure, Laurent Hayer a passé un message en privé qui était « Nos auteurs donnent exactement le propos du livre, à savoir le futur est inconnu, seul le présent existe. » On peut effectivement beaucoup réfléchir au futur, on peut essayer de comprendre les dynamiques à l'œuvre pour savoir si on peut changer les choses.
Et je pense que les réflexions que vous avez partagées ce soir montrent effectivement que la question est immensément complexe, mais que ce n'est pas dénué d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut effectivement travailler cette matière, ne serait-ce que pour soi-même, rentrer en possession de notre dignité, ne pas être dépouillé de nos décisions politiques. Donc, je vous remercie infiniment. Je ne sais pas si Laurent a une autre question ou se joint à moi pour les remerciements. Je remercie nos auteurs. Je remercie pour la clarté de leurs propos et dans le livre et dans cette interview. Je remercie les mondes d'après pour nous accueillir et nous permettre à tous de débattre et de partager nos idées. Qui encore une fois, on l'a dit dans l'avant-propos du livre, hein, les gens qui veulent nous vendre du futur, en fait, veulent prendre le contrôle de notre présent. Donc nous, on ne vend pas du futur, on vend juste des questions dans l'idée que se poser des questions, justement, libère, plutôt que de gober des réponses toutes faites. Je crois que le propos du livre, c'est celui-là. Et les gens qui nous disent, qui disent à ceux qui veulent se poser des questions, tais-toi et obéis, finalement, nous enferment. Donc voilà, merci de nous livrer des questions à défaut de nous livrer des réponses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci à Théo et Arthur pour avoir animé de main de maître cette émission. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée. T'as pas fait une bonne casse.